différé. En revanche, une autre annonce a bien eu lieu, celle-là, par le Conseil constitutionnel. Ce sont les résultats officiels et définitifs de la présidentielle. Robert Badinter, le président du Conseil constitutionnel. Ont obtenu M. François Mitterrand 16 704 279 suffrages. M. Jacques Chirac, 14 218 970 suffrages. Qu'ainsi, M. François Mitterrand a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requises pour être proclamé élu. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame M. François Mitterrand président de la République française.